Salut, c'est bon de te voir connecté aujourd'hui pour le cinquième message de la série qui s'intitule « Puis-je avoir la paix, s'il vous plaît? » Et aujourd'hui, on va terminer en répondant à cette question que peut-être que toi tu t'es posée ou que quelqu'un d'autre dans ton entourage t'a posée. C'est quand est-ce que Dieu va amener la paix dans le monde? Quand est-ce que Dieu va intervenir? Mais si je disais que cette question n'est pas réellement la bonne question à se poser, si je te disais que Dieu est déjà en train de faire quelque chose, et que la question qu'on devrait se poser, c'est allons-nous accepter l'invitation de participer dans ce que Dieu est en train de faire maintenant, aujourd'hui? Et c'est au niveau de la paix qu'on va parler aujourd'hui, et de la paix qui réfère au salut eschatologique de toute l'humanité de la part de Dieu et qui est effectué par l'œuvre du Christ. Et c'est ça qu'aujourd'hui, ça va être un sermon, un message assez spécial, parce qu'on va faire un survol de l'histoire biblique pour qu'on puisse ensemble saisir le projet de paix que Dieu a pour le monde. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on a l'habitude de parler de notre histoire, sans prendre conscience de son histoire. On aime entendre des messages sur comment Dieu aide nos projets. Mais pourquoi pas aujourd'hui parler de son projet? De son projet pour le monde. Et pourquoi je pense que c'est important qu'on parle de ça? Parce que j'ai l'impression que certains d'entre nous, des chrétiens, qu'on a perdu cet enthousiasme dans notre foi. Et que maintenant, être chrétien, c'est rendu cette étiquette qu'on met sur notre chest pour nous identifier de qui nous sommes. On aime le concept, on aime le fait que oui, je suis sauvé par Jésus, puis mon destin éternel est sécurisé. Mais on manque l'enthousiasme, la passion. On manque l'histoire dans laquelle on a dit oui de faire partie. Même que je pense que c'est pour ça qu'il y a des personnes autour de nous qui ne sont pas convaincues de notre foi. Parce qu'ils ont l'impression que la foi chrétienne est juste une étiquette. Ou que c'est vraiment juste une vieille histoire dans un vieux livre. Mais la réalité, notre foi est le développement de cette nouvelle réalité que Dieu veut établir dans le monde. Qui à la fin, est l'ultime solution. Parce que la vie chrétienne n'est pas simplement un nom. Mais c'est une vie en mission. La vie chrétienne est une réponse au mandat de la part de Dieu. Parce que la Bible n'est pas juste des définitions théologiques de qui est Dieu et tout. Non, c'est une histoire qui est fascinante. C'est une histoire de comment Dieu interagit avec le monde qui constamment les invite à faire partie de son histoire pour amener la paix que le monde désire tant. Dieu a déterminé le commencement et Dieu a un objectif. Et là, il y a un plan, un projet dans lequel nous sommes appelés, toi et moi, à faire partie. C'est pour ça qu'on va commencer par une prière, pour que notre cœur et nos pensées soient ouverts à entendre sa voix. Seigneur, Père, maintenant aujourd'hui, je te demande que chaque personne qui écoute ce message, que tu puisses ouvrir leur cœur et leur pensée à ce qu'ils puissent recevoir ton projet. Et Père, aide-moi, Saint-Esprit, à communiquer ton message d'espoir de façon à ce que ça puisse emmener cette espérance et cette nouvelle passion et énergie pour ta cause. C'est ce que je prie maintenant dans le nom de Jésus. Et on dit Amen. Et Amen. Psaume 85, verset 9-10. Ça dit, « Je veux écouter ce que Dieu dit. Le Seigneur parle de paix pour ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui sont fidèles, ceux qui lui font à nouveau confiance. Oui, son aide est toute proche. Pour eux qui reconnaissent son autorité, sa présence glorieuse habitera bientôt notre pays. » Et on voit ici que shalom, c'est quelque chose que Dieu veut. La paix, Dieu veut la paix dans le monde. Et la paix, ce n'est pas simplement le concept de la paix comme on a découvert dans le message précédent, mais la paix veut aussi définir que c'est payé. Quelqu'un pourrait dire qu'il y a shalom lorsqu'un paiement a été fait, quand il n'y a plus de dette. Alors quand il y a une salutation, comme on entend, « Oh, shalom à toi », ce n'est pas simplement un souhait de paix, mais c'est aussi une question. Y a-t-il shalom ou y a-t-il encore des dettes à payer? Une autre façon de le dire, c'est est-ce que tu es content de me voir ou est-ce que je te dois encore quelque chose? Parce que lorsqu'il y a une dette à payer, il n'y a pas encore shalom. Et mais du moment que la dette est payée, là, shalom peut revenir. Et c'est la paix, c'est lorsqu'on peut regarder Dieu dans les yeux et savoir qu'il n'y a ni dette
et qui n'ont pas de honte. C'est lorsqu'on regarde notre voisin, on peut poser la question « Es-tu content de me voir? » ou « Y a-t-il encore quelque chose entre nous? » C'est de regarder à la création et de savoir est-ce qu'on peut dire qu'on est bon avec cette création que Dieu nous a fait confiance avec ou sommes-nous dans une autre position? Sommes-nous en dette avec elle? Et oui, on est loin de notre idéal, on est loin de là, mais d'une façon ou d'une autre, nous sommes quand même avec cette semence du désir d'avoir la paix dans le monde. On a encore ce vouloir d'une paix mondiale. Et tu sais quoi? Dieu aussi désire ça. Dieu veut la paix dans le monde entier. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Et c'est l'invitation que Dieu envoie à l'humanité de dire « Viens faire partie du plan de paix que j'ai pour le monde. » Et c'est ce qu'on voit dès le commencement. Dans Genèse 1, on voit un Dieu, notre Dieu, qui crée le monde d'une façon qui est fonctionnelle, harmonieuse, où ce qui est la paix selon l'homme dont il fait partie. Et lorsqu'il va créer ce monde, cet endroit qui est harmonieux, Psaume 8, 5, 7 le dit ainsi, « Je me demande, l'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges, tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé, tu as tout mis à ses pieds. » Alors, on voit ici ce principe que Dieu nous a créé à son image. Dieu nous a donné ce mandat de faire partie de son plan de paix comme des gestionnaires et des co-ouvriers de sa création. Et pas seulement comme un individu, mais hommes et femmes, il nous a emmenés comme une communauté, que cette communauté ensemble sont appelés à être des bons gestionnaires, des ambassadeurs, des co-ouvriers avec Dieu de sa création pour que ce shalom, cette paix soit présente. Il n'a pas créé des robots. Ah, vous êtes d'accord avec moi? On n'est pas des robots on-off, tu fais ci, tu fais ça. Non, il nous a créé de façon à ce qu'on puisse prendre des décisions, on peut avoir du jugement, on peut avoir de la créativité, on peut créer une culture. Et il a dit que c'était bon. Mais aussi avec le fait qu'on prenne des décisions, c'est que ça nous permet aussi d'avoir cette relation avec lui. Pas comme des robots sans sentiments qui n'ont pas... Non, c'est une relation avec nous, humains, d'être capable de dialoguer avec Dieu. Il nous a donné les habilités, mais aussi il nous a fait comprendre les limitations. Il nous a dit, je donne l'habilité d'être un gestionnaire, mais pas d'être Dieu. Dieu est Dieu. Et dans Genèse, ça parle que Dieu reste l'ultime autorité. Mais on décide de faire un choix. On décide de faire un choix de prendre l'autonomie, de se distancer, de se rebeller de Dieu. Dans le fond, on décide de pécher. Parce que le péché, ce n'est pas simplement une petite action ou une action qui est mal ou négative. Non, le péché réellement, c'est une rébellion. C'est cette rébellion envers Dieu de dire « Nous sommes infidèles à lui, on brise l'alliance. » Là est le péché. Et par la suite qu'on a fait ça, dans l'histoire, il y a deux questions que Dieu pose. Une qui pose à Adam et il dit « Où es-tu, Adam? » Et un peu plus tard, il pose autre question qui dit « Où est ton frère Caïn? » Et ces deux questions sont les questions que Dieu te pose encore aujourd'hui et qu'il me pose à moi. C'est les deux questions que chacun d'entre nous, on ne peut pas fuir. Nous sommes tous redevables comme gestionnaires parce qu'on a été créés à son image. C'est « Où es-tu? » et « Où est ton frère? » Et on pourrait revenir à lui et simplement dire « Je suis ici, Seigneur, je suis désolé, je me suis rebellé et je me suis surestimé. » Mais l'histoire raconte qu'au lieu de faire ça, on a décidé de se cacher. On a décidé de blâmer les autres, blâmer Dieu, blâmer le serpent. Et lorsqu'on voit la vie de Caïn, il commence à errer seul. Et lorsqu'on lui a demandé « Où est ton frère? » il dit « Suis-je le protecteur de mon frère? Suis-je le protecteur de ma sœur? » Et à ce moment-là, on décide de s'éloigner de la paix de Dieu. On décide de sortir de cette harmonie originale qui est perdue. T'sais, on cherche l'amour, mais on trouve la domination puis l'oppression. On cherche la communauté, mais on trouve la guerre. On veut travailler, mais on a affaire à des épines puis à des chardons. On travaille avec la progression comme société, mais nos efforts semblent simplement nous diriger plus loin de Dieu. On désire la paix pour les nations, mais on trouve davantage de conflits. Alors, ce livre de Genèse, c'est pas simplement pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé il y a des milliers d'années. Ça l'explique notre histoire. Ça l'explique notre relation de l'humanité avec Dieu. C'est l'histoire mélancolique du désir humain. C'est l'histoire de l'humanité épuisée, poussant constamment le Créateur hors de sa création. Mais Dieu a une vision. Dieu est en mission
pour établir la paix dans le monde et nous envoie encore une invitation. Que malgré qu'on rebelle, Dieu te veut et il t'appelle. Et c'est ce qu'on voit dans les 11 premiers chapitres par la suite. Dieu fait une alliance encore. Il décide de ne pas abandonner ses rebelles. Il décide, de malgré qu'on rebelle, de retourner à nous pour nous renvoyer une invitation de faire partie de son plan. Il le fait avec Noé lorsqu'il fait l'alliance. Et par la suite, il choisit Abraham. Il choisit cet homme pour que lui, avec sa famille, puisse aussi faire une nation. Et que cette nation puisse être une influence dans les autres nations comme étant le peuple shalom de Dieu. Pour que ainsi son plan d'établir la paix dans le monde puisse se réaliser. Et on voit comment Dieu, malgré qu'il veuille un peuple, il prend quand même conscience de l'individu. Il prend le temps de dire, tu sais quoi, il a donné le pouvoir à chacun d'entre nous de prendre la décision, la responsabilité de dire oui à lui. C'est pas une affaire simplement de groupe que si eux ont dit oui, c'est bon. Non, mais c'est un choix personnel d'embarquer dans cette aventure avec Dieu qu'il est en train de faire pour établir la paix dans le monde. Il nous offre cette nouvelle vision parce que Dieu a une vision, il est en mission, il nous envoie cette invitation. Et que malgré qu'on rebelle, Dieu te veut et il t'appelle encore. Parce que le plan de Dieu n'est pas simplement quelque chose que l'Église et l'humanité fait juste s'asseoir passivement, attendre que Dieu fasse quelque chose, regarde le ciel. Quand est-ce que... Non, la réalité, c'est que Dieu fait une invitation parce qu'il veut des couvriers. Il veut des partenaires. Il veut des personnes qui, par leur bon désir, reviennent à lui pour dire oui à faire partie de son plan. Et là, on voit dans Exode que Dieu, à travers Moïse, aide à sortir Israël de son esclavage en Égypte. Il prend son peuple, qui au début était juste un groupe de personnes réellement, et les emmène dans le désert. Et dans le désert, il leur donne des lois pour les emmener à ce qu'ils puissent s'identifier comme étant le peuple shalom de Dieu, le peuple de paix de Dieu. Mais encore une fois, Israël continue de se rebeller. Et il continue à les diriger vers la terre promise. Et lorsqu'il arrive à la terre promise, Dieu se dit probablement que là maintenant, ça va être le moment où ils vont accepter leur appel comme le peuple choisi de Dieu pour être ceux qui vont donner un exemple, un soupçon de ce qu'est ce que le plan de Dieu de paix est pour le monde. Et que lorsqu'ils vont vivre de cette façon-là, les autres peuples vont pouvoir regarder vers eux. Mais l'histoire dit comment Israël a décidé de convoiter les autres peuples. Convoiter le fait qu'ils avaient des rois, leurs richesses, leurs coutumes, leurs traditions. Et encore là, Israël se rebelle. Malgré les chances encore que Dieu a données, il se rebelle encore. Mais malgré qu'il se rebelle encore, Dieu a une vision. Dieu est en mission pour établir la paix dans le monde et envoie encore l'invitation parce que malgré qu'on rebelle, il nous veut et il nous appelle. Et malgré tout ça, quelques-uns restent fidèles comme Daniel, Ézéchiel, Esther, Néhémie, Ezra et autres. Et Dieu donne à ses prophètes cette touche de la vision qu'il essaie d'emmener pour le monde, ce qui est en train de travailler, d'inviter encore, de revenir et de revenir pour établir la paix. Et c'est ce que le prophète Ésaïe parle. Ésaïe a vu plus clairement que toute chose allait dépendre de l'arrivée de l'envoyé de Dieu. Dieu allait commencer avec un individu, un qui allait être fidèle à Dieu. Ésaïe l'appelle le serviteur de Dieu. Il allait apporter la justice et la paix dans le monde. Il allait être celui qui apporte le shalom pour toute l'humanité. Il allait réconcilier l'humanité rebelle avec Dieu. Il allait payer le prix, shalom, pour que la paix puisse être restaurée entre Dieu et l'humanité. Il allait vivre comme un modèle pour les autres, vivre comme Dieu nous a appelés à vivre. Et lorsque Israël entend ça, il s'attache à cette prophétie, à cette espérance. Et la question qui se posait, comme on s'en pose des fois aujourd'hui, c'est: quand est-ce que Dieu va intervenir? Quand est-ce que Dieu va amener la paix dans le monde? Et c'est là qu'on voit dans le Nouveau Testament, par la grâce de Dieu. C'est là que nous sommes introduits à Jésus. Et nous, on croit que Jésus-Christ est celui qui amène la paix dans le monde, celui qui était tant attendu. Avec Jésus, nous avons l'arrivée de la promesse du nouvel âge, du salut qui commence. Mais le monde dans le temps était aussi confus. Parce qu'il se demandait, est-ce que réellement Jésus est celui et le Messie qu'il s'attendait? Parce que Jésus lui-même se disait être celui qui était envoyé de Dieu par le Père et du ciel. Il annonce l'arrivée de cette nouvelle ère du salut. Il invitait le monde à le suivre. Par la puissance de Dieu, il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il pardonnait les pécheurs. Il nourrissait ceux qui étaient affamés.
il était en compagnie des collecteurs d'impôts et des prostituées. Il prêchait fortement contre la fausse piété et l'injustice. Et au lieu de commencer une guerre contre Rome, il prêcha et vécut une vie d'aimer ses ennemis. Et là, au lieu de simplement restaurer la nation d'Israël, il invite le monde à choisir une vie qui modèle le shalom, la paix de Dieu. Et ceux qui répondaient à l'appel devenaient un signe visible du nouvel ordre social de Dieu. Et on voit ici Jésus, il va rassembler un petit groupe d'hommes et de femmes. Et dans Matthieu 5, 7, on voit les béatitudes. Il partage les vérités du royaume de Dieu, de ce peuple que Dieu appelle à être le peuple shalom de paix. Et il leur dit, vivez ceci parce que c'est ainsi qu'on va réconcilier l'humanité avec Dieu. C'est ainsi que tu réconcilies les personnes ensemble et aussi avec la création. Que réellement, ils puissent se regarder et se dire, shalom, il n'y a plus de dette à payer. Shalom, on vit selon la communauté que nous sommes appelés à être. Il dit que du moment que ce groupe de Jésus commence à vivre de cette façon-là, ça va emmener le monde à voir un signe que Dieu a commencé une œuvre qu'il appelle à être terminée. Qu'à travers la communauté, il va avoir la puissance de voir la paix de Dieu. Mais ce Jésus de Nazareth est exécuté. Et le monde commence à se demander, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que c'est fini? Mais au troisième jour, Dieu ressuscite Jésus. Il est vivant. Il est vivant et il est le Messie qui était tant attendu. Et par la suite, les disciples le découvrent et voient qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il a vaincu la mort. Et c'est là que Jésus dit à ses disciples, « Allez partout dans le monde et commencez à partager la bonne nouvelle de paix. Commencez à partager à tous que le peuple de paix de Dieu, le projet de paix a commencé. » Il est appelé à être terminé. Et à travers cela, c'est là qu'on arrive à notre cher Paul. Paul qui fait cette rencontre brusque avec Jésus. Paul qui a cette rencontre qui fait réaliser comment Dieu est venu se joindre physiquement à l'humanité. Le Père qui envoya le Fils. En Jésus de Nazareth, le miracle allait se produire. Cette ultime déclaration d'amour, cette ultime délivrance pour l'humanité. Et c'est pour ça que maintenant, j'aimerais vous lire un passage en 2 Corinthiens qui explique cette relation, ce qu'on nous sommes rendus, la mission que toi et moi, on a appelé à prendre en considération. 2 Corinthiens 5, 14 jusqu'à chapitre 6, verset 2. Ça dit, « En effet, l'amour du Christ nous saisit. Nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous et, donc, que tous ont part à sa mort. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais celui qui est mort est ressuscité pour eux. Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Même si autrefois, nous avons considéré le Christ d'une manière humaine, maintenant nous ne le considérons plus ainsi. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien est disparu. Une nouvelle réalité est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'en emmener d'autres à la réconciliation avec lui. En effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui, sans tenir compte des fautes des humains. Il nous a établis pour annoncer cette œuvre des réconciliations. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel par nous. Nous vous en supplions. Au nom de Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché afin que, unis à lui, nous soyons rendus justes devant Dieu. Ainsi, puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous le demandons avec insistance. Ne négligez pas la grâce que vous avez reçue de lui. En effet, Dieu déclare, « Au moment favorable, je t'ai écouté. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Eh bien, voici maintenant le moment vraiment favorable. Voici le jour du salut. Et là, Paul nous fait prendre en considération comment Jésus est devenu le centre de l'histoire. Il est devenu cette nouvelle fondation pour cette nouvelle humanité que Dieu est en train d'amener. Ce nouveau peuple qui va amener la paix dans le monde. Et la chose qui n'a pas changé dans toute l'histoire, c'est que Dieu encore cherche un peuple. Dieu encore cherche des personnes qui, par leur propre volonté, vont venir à lui et dire,
Je dis oui à cette alliance. Je dis oui à vouloir faire partie du peuple de paix. Je dis oui à vouloir te représenter dans le monde, être un co-ouvrier pour ton plan. Parce que Dieu a une vision. Dieu est en mission pour établir la paix et nous envoie encore une invitation. Et malgré qu'on rebelle, Dieu te veut. Et encore, il t'appelle. Et Paul explique que l'Église est, écoute-moi bien, l'Église est ce peuple de paix, cette nouvelle communauté que Dieu veut utiliser comme étant le corps de Christ. L'Église est ce projet de paix que Dieu veut. Et c'est pour ça que lorsque tu lis les lettres de Paul, lorsque Paul était vraiment sur la défensive, lorsqu'il voyait les Juifs qui essayaient d'imposer aux non-Juifs les lois juives, parce que lorsqu'il voyait ça, c'est comme une attaque contre le plan de Dieu. Et c'est pour ça que lorsqu'on voit dans les lettres que dans l'Église, il y avait des disputes, une injustice, ou peut-être spécifiquement un effort pour diviser la communauté chrétienne, Paul devenait zélé. Il devenait zélé parce qu'il disait que rien ni personne vient essayer de séparer ou de briser le plan de Dieu de paix pour le monde. Parce que là est la solution. Christ est la fondation de cette nouvelle humanité. C'est une nouvelle humanité qui brise tous les murs qui nous divisent, qui culturels ou nationales ou ethniques sont tombés. Et Dieu a établi une nouvelle communauté mondiale comme un signe pour le reste du monde que le projet de paix de Dieu pour le monde est en train de s'accomplir. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me fait juste vouloir dire amen. C'est pour cela que le corps de Christ ne peut pas tolérer le racisme, le nationalisme et les attitudes égocentriques dans leur propre culture. Mais la réalité, comme on peut le constater, c'est que ça se passe encore aujourd'hui dans l'Église. Et ça, c'est à cause que, comme Israël, on est des personnes qui sont constamment influencées par les choses de ce monde, par les structures politiques, les façons que les affaires se font, les valeurs qu'ils ont. Et ça vient s'incruster dans l'Église. Et maintenant, peut-être que lorsqu'on regarde autour de nous, ce genre de vision-là de paix mondiale, ça semble trop optimiste. On regarde les nouvelles, on regarde nos quartiers, on regarde notre Église. On regarde l'histoire de l'Église. Même on n'a pas besoin de regarder autour de nous, on fait juste se regarder à nous-mêmes. Lorsqu'on est honnête avec nous, on dirait que le but n'a pas encore été atteint. De cette communauté de paix idéale. Et c'est pour ça que c'est important de prendre aussi en considération Romains 8, où ce que Paul explique, que ce nouveau monde est en processus d'être né. Et Paul comprenait que l'espérance que l'on a comme chrétien, cette assurance que nous avons, que le royaume de Dieu va s'établir, que la paix shalom de Dieu va régner sur la terre, est en chemin. Et notre vie présente est influencée par l'espérance que nous avons dans le futur. Éphésiens 1,14 dit, « L'Esprit Saint nous garantit l'héritage que Dieu a réservé à son peuple. Il nous assure que nous le posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. » Alors, nous sommes appelés, toi et moi, aujourd'hui, à vivre les réalités du royaume de Dieu. Pas parfaitement, comme un signe de l'œuvre que Christ va terminer à son retour. Et là, de cette façon-là, le monde peut nous regarder et voir un signe de ce que Dieu va terminer. Parce que plusieurs d'entre nous, on va dans deux extrêmes. Et c'est pour ça que je raconte cette histoire, notre histoire, dont personne se bat pour essayer d'amener la justice dans le monde comme si tout dépendait d'eux. Et dont personne, ben ils font rien. C'est des chrétiens qui sont indifférents, qui disent, c'est quoi, on va juste laisser le monde aller à la dérive, de toute façon, Dieu revient. Mais lorsqu'on lit la parole du Nouveau Testament, ça ne parle pas de ces deux extrêmes. Ça parle de la tension que nous avons ensemble comme peuple. Ça dit, parce que sachant que Dieu a ce projet de paix shalom pour le monde, parce que nous savons que l'accomplissement de ce projet de Dieu a commencé à la venue de Jésus-Christ. Parce que nous savons qu'avec la seconde venue de Christ, ce projet va être complété. Nous sommes invités, toi et moi comme croyants et comme Église, d'expérimenter et de vivre la réalité de ce que Dieu est en train de faire maintenant. Et ça, on fait dans le calme, sans se battre avec désespoir pour le voir se réaliser, pensant que par nos propres forces, on peut le réaliser. Parce qu'on sait que Jésus revient et que l'accomplissement du plan de Dieu n'appartient pas seulement à nous, mais aussi
on fait avec une conviction et un enthousiasme parce que nos vies appartiennent à Jésus. On le fait parce que l'Esprit de Dieu a déposé en nous une vision pour le grand projet de paix, de shalom pour le monde. Et quel privilège d'être invité dans ce projet de paix pour le monde, parce que Dieu a une vision, Dieu est en mission et il envoie cette invitation. Et que malgré qu'on rebelle, Dieu te veut et il t'appelle encore. Et le monde aujourd'hui a besoin d'agents de paix qui sont sous l'influence du règne de Christ, qui gardent en perspective que ce que Dieu a commencé en Christ, il va le terminer en établissant son règne là où il trouve la paix. Et là est l'importance pour toi et moi, pour l'Église. Là est l'importance de l'Église, que durant cette saison-là, on n'abandonne pas de rester attaché à Dieu, de revenir à lui encore et encore, parce que son plan, c'est toi. Son plan, c'est nous. Là est l'importance de ne pas abandonner nos rassemblements qu'on fait comme on fait en ce moment, nos groupes Connect. De ne pas abandonner ceux qui, en ce moment, peut-être ont commencé à s'éloigner de Dieu à cause que l'Église est en ligne durant cette saison. Parce que Dieu, aujourd'hui, nous pose les deux questions importantes. Où es-tu? Et où est ton frère et ta sœur? C'est toi et moi qui dois prendre la décision d'emmener sa paix et son royaume lorsqu'on fait l'épicerie, lorsqu'on va au gym, lorsqu'on va au bureau, lorsqu'on va sur le web, lorsqu'on se rassemble dans nos groupes Connect, lorsqu'on décide de semaine après semaine, comme en ce moment, de se réunir ensemble pour exalter le nom de Jésus, pour rejoindre le monde avec le message d'espoir. On exprime et on continue d'être ce peuple que Dieu est en train de former pour diriger le monde autour de nous vers celui qui les a appelés et continue d'appeler. Et là, si tu pensais que tout cela, c'était bien beau, mais que ça, c'était pas pour toi, parce que tu vois pas comment Dieu peut t'utiliser pour amener la paix dans le monde, dans son plan de paix, sache que Dieu n'est pas dans l'histoire de t'abandonner. Dieu continue de te poursuivre et il continue de t'inviter. Et c'est pour cela qu'à travers la vie de Jésus-Christ, il s'est assuré qu'aucun des arguments ne soit trop grand pour t'empêcher de revenir à lui, comme faisant partie de son plan. Parce que Dieu a une vision. Dieu est en mission et il t'envoie cette invitation. Et que malgré qu'on rebelle, Dieu te veut et il t'appelle encore. Puis c'est pour cela qu'il faut premièrement accepter l'invitation. Et comme j'ai mentionné, on accepte premièrement l'invitation lorsqu'on demande pardon à Dieu de s'avoir rebellé contre lui. Et on retourne vers lui en donnant notre vie pour laquelle Christ a payé le prix. Dieu veut que tu vives en paix avec lui, pour que tu puisses être un agent de paix dans le monde. Et si c'est la première fois où tu aimerais revenir à lui, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est de répéter avec moi une prière qui te l'invite comme Seigneur et Sauveur personnel. Maintenant, répète après moi. Jésus, aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Pardonne mes péchés. J'accepte ta grâce et ta miséricorde envers moi. J'accepte ton sacrifice à la croix et ta résurrection d'entre les morts. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Et si tu as fait cette prière-là pour la première fois, je veux te dire, félicitations et bienvenue dans la famille de Dieu. Nous sommes tellement contents que tu as décidé de faire partie de sa famille. Pour maintenant, il va pouvoir t'invité à être un couvrier dans son plan de paix pour le monde. Et pour cela, on aimerait honorer cette décision pour que tu puisses simplement aller sur notre site web. Tu cliques sur « J'ai dit oui à Jésus ». Lorsque tu remplis le formulaire, on va t'envoyer un cadeau pour simplement marquer ce nouveau jour lorsque tu invites Dieu dans ta vie, que tu fais partie de sa famille. Alors, encore une fois, félicitations. Et maintenant, c'était la fin de notre série « Puisse avoir la paix, s'il vous plaît ». Et la semaine prochaine, notre pasteur va commencer une nouvelle série sur comment entendre la voix de Dieu de la part de notre pasteur Alberto Carbone. Alors, on se connecte la semaine prochaine et je vous souhaite de continuer de vivre dans la paix, de prendre cet appel à cœur et on se voit la semaine prochaine. God bless tout le monde.